Hey, bonjour à tous. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, parce qu'il y a quelque temps, je me suis acheté un vélo à assistance électrique, en particulier un Fatbike. C'est génial hein, comme vélo, c'est vraiment confortable. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler du vélo. Mais c'est un vélo chinois et on trouve toutes les pièces. Sur les sites en ligne, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, l'entretien et les réparations éventuelles, bah, c'est mieux de le faire nous-mêmes. Et pour entretenir le vélo, bah, je me suis fabriqué un support, voilà, parce que j'aurais pu m'acheter un pied d'atelier de vélo, sauf qu'un Fatbike, ça pèse 30 kilos, voire plus. J'ai pas de tige ici, donc j'aurais été obligé avec la pince du pied de vélo de m'accrocher à la tige de selle. Et 30 kilos sur la tige de selle, ça me disait trop rien. Donc comme mon vélo est équipé d'un porte-bagages, comme beaucoup de Fatbike d'ailleurs, et ben je vais me servir de ce porte-bagages pour surélever ma roue arrière pour pouvoir entretenir la chaîne, les freins qui sont hydrauliques là en l'occurrence. Voilà. Enfin. L'entretien courant du vélo. Donc, je le prends, hop, et voilà. Et j'ai suspendu et je peux faire tout l'entretien, passer les vitesses, etc. Sur la roue et entretenir mon vélo correctement. Et je me suis aperçu, parce que je l'ai déjà utilisé, ce support, je me suis aperçu que non seulement je peux surélever la roue arrière, mais aussi la roue avant. Donc, ce qui va me faciliter aussi l'entretien pour la roue avant et notamment des freins. Allez, je vous fais tout de suite voir ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors, je me suis fait un petit plan du support que je vais fabriquer. Voilà. Alors, tout coulisse, bien sûr. Ça, alors ça c'est du tube de 4 cm, tube carré de 4 cm, là du tube carré de 3 cm, pareil, et là de 2 cm. Donc ça se monte, ça se coulisse. Et on va commencer par les tiges filetées et les crochets ici. Donc il y a les dimensions avec.
support pour vélo est réglable en largeur. Voilà. Et ainsi qu'en hauteur. Alors, pour accrocher le vélo, rien de plus simple. Même si on n'a pas réglé là, par exemple. Hop. Voilà, je peux le mettre d'abord comme ça. Hop. Voilà, et ensuite je resserre ici. Et là, bah, ça bouge plus. Hein. Je peux faire tourner. Ouf, la roue. Voir si les vitesses fonctionnent bien. Le frein. Et on peut faire tout l'entretien qu'on veut sur la roue arrière. Et maintenant pour la roue avant, je vais vous faire voir. Alors pour suspendre la roue avant, on va faire quelques ajustements parce qu'on va se servir de la fourche du vélo pour suspendre la roue avant. Donc dans un premier temps, on va tourner les crochets dans ce sens. Alors, je me suis déjà fait des repères. Voilà. Je vais dégager ce bras que je pose ici en attendant. Je prends le bras. Là, je peux serrer. Hop. Je présente le vélo à la roue avant. Déjà encocher ma fourche. Voilà. Je mets mon deuxième bras et voilà, je resserre ma molette. Et là, on voit que ça bouge plus. Et là, je peux entretenir ma roue avant. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss !